Nous allons voir dans ce tutoriel comment créer une image animée à l'aide du site bablerize.com. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez vous loguer ici, dans Login. Vous rentrez l'identifiant pour votre travail, donc qui s'affiche, ainsi que le mot de passe que je vous ai fourni. Bien, à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur Make et créer votre image animée. Ici, on vous demande d'aller chercher l'image que vous aurez au préalable placée sur votre ordinateur. Donc, de mon côté, je vais utiliser pour notre exemple cette photo de Bob Marley. Vous pouvez, si l'image ne correspond pas à la taille que vous souhaitez, la réduire en cliquant ici. Et vous pouvez diminuer les dimensions. Une fois que l'image correspond à ce que vous souhaitez, vous passez à l'étape suivante. Ici, nous devons placer ces différents points au niveau de la bouche, qui va donc bouger en fonction de ce que vous allez dire. Pour cela, il faudra placer les différents points bleus avec minutie, ainsi que les points verts, de manière à pouvoir rendre cette bouche animée la plus réaliste possible. Donc, tout comme moi, voilà, vous les déplacez de manière à ce qu'ils épousent la forme de la photo que vous aurez choisie. Donc, je la réduis pour que la bouche paraisse assez naturelle. Voilà, une fois que vous avez fait ce que vous voulez, vous passez à l'étape suivante et vous allez donc décider quel moyen vous allez utiliser pour enregistrer votre voix. Le plus simple étant de vous enregistrer sur le microphone de votre ordinateur. Voilà, donc vous cliquez sur le microphone, vous acceptez, vous donnez l'autorisation pour que le site puisse accéder à votre microphone et vous allez enregistrer votre voix. Donc, je clique ici sur le bouton rouge. Hello, my name is Bob Marley. I'm Jamaican and I'm a very famous singer. Vous pouvez réécouter ce que vous avez fait. Hello, my name is Bob Marley. Si cela vous convient, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur la flèche. Si vous souhaitez recommencer, vous cliquez sur la croix et vous recommencez autant de fois qu'il le faut. Évidemment, mon extrait est vraiment très bref. De votre côté, vous aurez au préalable préparé vos phrases, votre texte et vous vous serez entraîné de manière à pouvoir avoir le meilleur accent possible. Donc, vous pouvez réécouter ce que vous avez fait en cliquant ici. Si vous souhaitez modifier quelque chose, si vous souhaitez modifier la photo, la forme de la bouche ou même votre texte, vous pouvez à tout moment revenir en arrière en cliquant sur les différents petits icônes qui se trouvent ici. Si vous êtes satisfait de votre travail, vous allez sur OK. À nouveau, si vous souhaitez modifier quelque chose, vous pouvez le faire ici. Et si vous souhaitez sauvegarder, vous cliquez sur Save. Vous lui donnez un titre. Par exemple, ici, on donne une petite description. Le site vous demandera de mettre certains mots-clés. Bon, là, j'en mets un seul. Vous rendez votre vidéo privée et vous sauvegardez. Donc ça prend un petit moment. En fonction de votre enregistrement, ce sera plus ou moins long. Et on va vous donner la possibilité de partager le lien en cliquant sur Share It. Donc vous pouvez copier-coller le lien qui se trouve ici et l'envoyer à votre professeur via l'ENT. Voilà.